Vous pouvez aller dans l'enseignement, il y a donné. Tu es là où que Marais est dans le Canary. Tu dis non, c'est pas facile. C'est parce que je ne suis pas bien maquillé. Elle est bien m'épilée. Elle est maquillée. Ça a tué. Tuage. Oh, c'est dans le Canary. La petite amie fait de quoi ainsi. A dit qu'il a chute. Qui te voit? Personne. Si tu veux vous marcher, façon, ça c'est ton problème. Ça dirait aux gens. C'est dans ma marmite. Et tu as caché ça. Tu as fait quoi encore? Vous comprenez pourquoi les sorciers ont peur de venir ici? Quand tu es mauvais esprit, tu vas venir ici. On t'a attrapé. Son enfant là, j'ai pris son âme. Elle est chez les enfants. Une fille, tu as pris son âme, fais quoi? Elle bouge son âme pour aller attacher ses bois. Et tu as mangé. Tu as mangé ça après. Je demande, elle. Oui. L'enfant t'a fait quoi? Tu l'as mangé. L'enfant l'a mangé. Mais tu as envie de manger. Oui. Tu as fait quoi encore? Voilà, il est où? Je ne voulais pas que les gens reçussent. Ma famille aussi. Ma famille, ça va bien. Ok, moi, ma famille aussi. Je ne voulais pas que ma famille aussi. C'est donc tu fais sorcellerie à cause de ta famille, bien. Tu as ta sorcellerie à cause de ta famille. Et moi, si ta famille ne voulait pas que ta famille soit là. Je ne veux pas que ma famille en fasse. Et pourquoi? Je ne veux pas que ma famille ne te fasse rien. Je te libère de la puissance de l'Esprit. Tu es comme
Bon, tu es toujours absent la nuit. Tu ne grossis pas. Où on doit donner forme quand tu es parti? Où on doit donner taille, tu es absent. Bon Dieu vient taille, elle est absent. C'est trop bête. Il n'y a qu'un profit. Vous mettez ça vous gâte. L'ange vient pour taille, tu es parti. Elle dit ça avec sa taille. Envoie la femme, tu es parti. Beauté, mais qu'on envoyait, tu es parti. Ça fait quoi ici? On dit tu tombes malade. Grâce au petit soeur. Bien, bien. C'est trop grand pour petit soeur. Quand tu regardes petit soeur, ah, petit soeur. Elle voulait bien manger. Hein? Prends les prises. Elles sont pas là. Et puis ça vient. Prends les prises. Elle se sort pas là. Elle est la canine. Dieu est bon, hein? Tu as voulu la tuer, toi, l'église? Oui, elle a voulu la tuer. Elle est sereine, oui, elle voulait la tuer. Je dois t'attraper. C'est ton terminus. Amen. C'est noir de Dieu. Tu t'arrêtes pas ton terminus. Terminus ici aujourd'hui. Allez, tu manges. Hein? Toi, quand tu manges l'homme, tu manges quelle partie? Which part do you like? Je mange tout le corps. Tout le corps. C'est lui, avec la tripe. Elle m'a tripe. Elle attache. Elle est dans la mamite. Ça bouillit bien. Le petit, ça dit, il dit braise. Il braise comme ça. Cuisse, bras, tête. Là, tu manges quoi? Le ton. Hein? Hmm? Le ventre, tout ça. C'est ce que tu manges. Mais qu'est-ce que tu as gâté? Qu'est-ce que tu as gâté? Quoi? T'as gâté quoi? Quelle vie? À quoi? Le jour que je voulais partir à l'hôpital, toujours elle tombe dans un coma. Jamais. La sorcellerie a ça ton âme. L'esprit. Et toute ta vie. Je libère toute ta destinée. Brise les chaînes. La captivité. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je te libère. Aujourd'hui même. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus, je te libère maintenant. Je t'ouvre les portes de la bénédiction. Je te communique la restauration, la guérison au nom de Jésus. Je te proclame libéré au nom de Jésus. Amen. Tu sais, grand, hein? Oui. Eh, tu m'en veux, quoi? Il faut souffler les pieds pour attacher les âmes. Ça où? Hein? Les âmes, c'est aussi un bois. L'âme de qui? Quand tu as toi-même la sorcellerie, c'est bon. Cathy, t'as pas de practice of witchcraft. C'est à toi qu'il demande.
Souvent les gens échouent. Vous allez voir dans les églises, dont ils font parler les sorciers, les gens parlent. On n'arrive pas à les délivrer de la sorcellerie. Or, une chose est de parler, mais la chose la plus intéressante, c'est de débarrasser cette personne de ce démon qu'on appelle la sorcellerie. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du mal. Donc, elle est animée par l'esprit du mal. Il faut la débarrasser de ce démon et la permettre d'expérimenter la puissance de Jésus. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release. Je détruis ton pouvoir. I destroy your power. Je détruis ton pouvoir. Tu lâches son âme. Lâche-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Libère-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Libère-la. Set me free. Libère-la. Set me free. Vous parlez, vous priez pour quelqu'un. Si les démons ne sont pas manifestés, faites de telle sorte que le démon se manifeste, que le démon quitte le corps.
Elle va vous parler si vous ne voyez pas cette manifestation. C'est que le démon est là. Et si le démon est là, vous ne lâchez pas la personne. Vous la délivrez. Oui, elle a parlé, elle est allée. Non, 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 elle a parlé, ok, mais elle n'est pas délivrée. Even if she has spoken, she's not delivered. Lâche. Set her free. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Tu veux délivrer. Tu veux délivrer. Je suis prête. Are you ready? Tu penses que Dieu va te délivrer? You think that God can deliver you? Où est son mari? Where is her husband? Tu veux que ta femme soit délivrée? Do you want your wife to be delivered? Do you want your wife? Tu veux dire oui, dis là où tu arrêtais. You can say yes, where is she? Tu veux qu'elle soit délivrée? You want her to be delivered? Hein? Il sa tête. You can say yes. Yes. Ah, okay. Tu vas délivrer. Do you want to be delivered? On fait quoi? What for? Bonne chose. En effet, la qualité de Marie, tu vas manger. Elle dit oui. Tu es sûr qu'il y a des choses qui sont en toi? Des choses. Tu t'envoyais faire tout ça. Souvent, il ne peut pas maîtriser le démon. C'est un esprit. So, il ne peut pas. Non, il ne peut pas le maîtriser. Parce que ce démon, c'est plus fort. C'est pour ça que l'Église doit être capable de délivrer les gens. To deliver. Tu sens qu'il y a des choses en toi. Que tu prends pour faire pour prendre l'âme des gens dans ses roues. Hein? Hein? C'est un bruit canal. On va régler ça, on va parler à ton mari. On va nous envoyer ça. Va t'asseoir. D'accord? Il faut que tu te débarrasses de ça d'abord. Quelles les choses que ça veut. La puissance de Jésus. Le feu dans ton ventre. Fire in your stomach. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Vaincu, te déclaré. Tu n'as plus de pouvoir. You have no power. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Et tu la libères. You set her free. Le groupe de délivrance amené à la délivrance, procéder à sa délivrance. Tu es béni, il y a quelqu'un. Your neighbor, you are blessed. Cette semaine est une semaine de délivrance. This week is the week of deliverance. C'est vrai que nous irons soutenir notre sœur qui a perdu son père. Lost her father. La sœur a perdu son père, on devra la soutenir le week-end. Lost her father, so we have to go. Mais toute la semaine sera mouvementée. Oui. Je serai obligé de ne pas partir parce que moi j'ai deux points, j'ai Abidjan et puis à Dibo. Quand je vais me reposer. Je vais travailler cette semaine, toute cette semaine. I will work this week. Amen. Amen. Vous avez dans la possibilité de travailler cette semaine. So we have the ability, the possibility to work this. Mais demain l'après-midi. Okay. Tomorrow, in the afternoon. C'est-à-dire matin, laissez-moi me reposer. I want to. C'est important. Souvent quand vous venez, vous pensez pas à moi. When you come, you don't think about it. J'ai des moments où je ne dors pas, je suis en prière. Sometimes I don't sleep because I'm praying. Pendant que vous êtes assis, je peux faire 3 heures, 4 heures debout. I can spend 3 or 4 hours. Je chasse les démons. Chasing the devil. C'est très épuisant. Yes. C'est la grâce de Dieu sur vous. Simply the grace of God. Je suis humain comme vous. And a human being like you. C'est l'envie de vous voir délivré. Il fait que souvent je fais des sacrifices.
So I have to make some sacrifices. Par moment que je dis, je suis fatigué de me comprendre. Sometimes when I say I'm tired, you have to understand. Quand on ne comprend pas le prophète, il y a les crashs. If you don't understand the prophet, parce que le ministère c'est toute la vie. Because the ministry is for the whole life. La longévité commence par la santé. So the life is starts from the health. Je vais être en bonne santé. Je vais derrière les sorciers les attraper. Going to purchase the deal. Chacun son travail. Sorcerers and thugs. Il est policier, mais il est PJP. Il est dans les quartiers du Zata d'attraper les bandits. Nous, c'est ça, spirituellement, les PJ spirituels. En train de poursuivre les bandits, les délinquants. Vous ne voulez pas que vous mangez demain. Donc la matinée, c'est une pause. Je vais reposer sur la matinée. Morning, à partir de 15h, je vais commencer mon travail. I'll start my job. Mardi matin, je travaille. On va partir comme ça. Morning, mais demain matin, j'ai fait la grasse matinée, j'ai dormi du corps, j'ai levé à midi. I'll have the rest. Mon corps dit yes. Et je viens. Quels sont ceux qui viennent de l'étranger? Who are those coming from abroad? L'Europe. D'abord, Europe. Avant ceux qui sont from Europe. Those coming from Europe. Levez-vous ceux qui viennent de l'Europe. Who are those coming from Europe? Levez-vous ceux qui viennent de hors de la Côte d'Ivoire. Vous allez vous présenter. So you're going to introduce yourself. Vous vous présentez de l'autre côté à gauche. Le micro. Je m'appelle Edith, je viens de Paris. I'm Edith, I come from Paris. Quand? When did you come? Avant-hier. I came the day before yesterday. Hier, pardon. Yesterday. Ok, bon arrivée. Merci. Vous étiez à mon programme à Paris? Comment? Vous étiez à mon programme à Paris? Oui. À Romainville ou bien à Saint-Denis? Sur la ligne de Saint-Denis. Non. Allô? Vous étiez à mon programme quand j'étais à Paris? Oui, Romainville. Vous étiez à Romainville là? Ok, moi c'est à Romainville. Viens vous asseoir, bonne arrivée. Welcome. De l'autre côté. Oui. Bonjour. Allô? Oui. Moi je viens de Paris. D'accord. I came from Paris. J'assiste à plus beau séance à Paris. Votre présence? À Romainville, à Saint-Denis. Ok. Then I was in Romainville, Saint-Denis. Ok. Je suis arrivé hier avant-hier. Bonsoir. I came the day before yesterday. Ok, bonne arrivée. Non, de Paris. De Paris. Non, c'est une bonne arrivée. Merci beaucoup. Ok, soyez bienvenue. Merci. Ici. Ici. Here. Bonjour. Hello. Bonjour, je m'appelle Charlotte Bonnery. I'm Charlotte Bonnery. De Paris, je suis arrivée vendredi. Paris, avec mes deux. Et je vous ai vu à Paris, à Saint-Denis, et je suis aussi dans l'association, on s'est vu à Nantes, Doro. C'est moi, ouais, avec ma tante et puis tout, voilà, c'est ça, à Nantes, le soir, voilà, c'est ça, je faisais partie aussi. Donc vous avez beaucoup de choses, c'est la famille, l'association Doro, alors. Oui, tu m'as appelé, non? Oui, c'est moi qui venais, là. Oui, je venais, oui, effectivement. Je viens de Premier, pas loin de Lyon. Dion. Oui, bien. Merci. Vous êtes bengis. Vous fatigue, de toute façon. Les sociaux font tout. Bonjour, prophète. Bonjour. Et moi, je me nomme Raoul Clagbey. Ah, d'accord. Et vous s'entendez à vous pour une croisade avec le pasteur Micha. Aux États-Unis, là? Oui. Ah, mais j'arrive. Et là, je suis venu pour une visite pour la famille. D'accord. J'ai dit au pasteur Micha que si j'arrive en Côte d'Ivoire, okay. J'allais passer au Ivoire. Okay. Il a dit effectivement de venir me voir pour échanger avec vous. Ok. Donc, pour la okay. Il se porte bien? Oui, parce que. À part qu'il a perdu sa belle. Oui, sa maman a perdu. Sa femme a perdu sa mère. Oui, si, je sais. Elle doit être là la semaine prochaine. Où elle est venue? Non, elle est venue. Elle est là. Ah. Je pense que le finira avant celui-là. Oui, il m'a déjà dit. On va l'accompagner le 19, non? Si, il m'a dit. Ok. Bien, tu es de New York, c'est ça, New York? Ouais, je suis à Queens, New York. Ok. Bien, vous assurez. C'est tout. Hein. Ceux qui viennent de. Qui ne sont pas à Divo. C'est pour dire la plupart de ceux qui nous fréquentent ne sont pas forcément des Divo. Tenez-vous debout. La bonne arrivée à tout le monde. Et que soyez fortifiés et bénis dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir.
Que le Seigneur vous fortifie. May God bless all of you. Qu'il vous bénisse. J'étais en vacances. I was on holiday. Pratiquement le mois de janvier. In July. J'ai voulu justement me reposer comme de coutume. Le mois de janvier, je me repose. I want to have rest. Et je m'apprêtais pour partir en Europe encore. I was getting ready to go in Europe. Et j'ai senti le besoin d'aider les gens. Parce que en Europe, elle sait bien, savent très bien que j'ai pas le droit. C'est ça. C'est difficile. Au moins que tu veux écouter quelqu'un, tu as au moins 500 personnes là autour de toi. Au moment où tu dis, bon, je le sois aujourd'hui, il y a 1000 personnes. Tu ne sais pas comment commencer. Tout le monde m'attrape, on peut te laisser. Tu ne peux pas la prendre la voiture pour partir. C'est vrai. Je vais partir dans, chez moi. Les gens tout fait pour maîtriser mon adresse dans le 8e. Ils sont là, en pleurs. Tu veux dire, tu les gens en plein Paris, les blancs qui regardent, tu chasses les gens. Amen. Ça veut dire quoi? Les gens souffrent. Ouais. Les gens souffrent, les gens disent, ah non, à Paris, non, il n'y a rien, ils souffrent. Ils choquent, mais il n'y a rien. Après le choquant, là, il y a petit euro, mais les gens gardent leur argent. Soyez fortifiés. Voilà, soyez fortifiés. Au lieu d'aller ce week-end, ce début de semaine à Abidjan, j'ai décidé de travailler. Ouais, parce que je n'ai pas le temps souvent de recevoir, donc je vais recevoir en semaine. Donnez-moi la matinée, demain matin, me reposer. À partir de 15h, je commence la réception. Ce n'est pas corps à corps où vous êtes. Je reste jusqu'à toute la semaine. Je ne vais pas bouger. Alors je ne bougerai pas cette semaine. Parce que le mois de février est fait pour ça. Vous écoutez, vous délivrez. Vous écoutez, vous délivrez. Amen. Donc alignez-vous à notre programme souvent. Amen. Quand vous venez ici, alignez vos systèmes. Voilà. Amen. Donc cette semaine, on va vous recevoir et on priera pour vous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous bénisse. Il y a les gens qui ont la clé de la délivrance. Ça ne se discute pas. Oui. Ils sont comme des clés. Tant que tu ne les as pas rencontrés, il n'aura pas solution à ton problème. Laisse tout ça. Quand tu ne l'as pas rencontré. Laisse quoi? C'est moi qui ai parlé. Laisse quoi? Moi, il fait tout, hein. J'ai délivré. Le chien de front en hey! Voilà, donc il y a des gens qui ont la clé. C'est comme cette maison, vous voyez, la maison là, il y a des clés. Pour avoir accès à la maison, il faut avoir la clé. La porte. Chaque maison a sa clé. Amen. Il y a des gens qui ont le pouvoir de la délivrance. Au moment où tu as peur, lui, il veut toucher à ses pieds. Parce que c'est cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il se présente, quel que soit leur nombre dans le corps, ils sont obligés de partir. Parce que ce monsieur, il a reçu le mandat de Dieu pour régler cette femme. Comment tu penses que c'est costaud? Lui, un claquement de doigts érect. Amen. Il y a des gens qui se débrouillent dans la délivrance. Il y a des gens qui ont vu sur le don de la délivrance. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus est Seigneur. Amen. C'est tout. Amen. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Donc, on aura l'occasion de vous délivrer par la grâce de Dieu. Soyez fortifiés. Amen. Et soyez bénis. Parce qu'il faut que vous soyez délivrés pour rentrer dans votre grâce, dans votre bénédiction. Bonne semaine à tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? On applaudit qui pas? Alléluia! On applaudit Jésus! On applaudit Jésus! Alléluia! Voilà, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Jésus. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé en sa présence. Prions ensemble et bénissons le nom de Jésus. Prions. Élève la voix, prie et dis merci à toi Jésus. Merci.
Oui, priez, dis-lui merci. Dis merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir accordé ce moment que nous avons passé en ta présence. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons soutenir la maison. Amen. La maison a beaucoup de charges. Il y a aussi les t-shirts du ministère, les t-shirts du prophète Joël Crasso qui sont en vente.